Yo les gens, c'est Bugs, simple vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous raconte un petit conte zen qui raconte l'histoire d'un apprenti qui un jour décide d'aller voir son chef, le moine, et qui lui dit « Moi aussi, je peux devenir moine aujourd'hui ». Alors, je sais pas si vous le savez, mais les zen, au départ, c'est donc des religieux qui pratiquaient le tir à l'arc, les yeux fermés, et qui s'entraînaient à tirer un peu comme on voit dans les films, les mecs qui se bandent les yeux et qui ont quand même des pouvoirs de ouf. Et bref, le jeune apprenti va voir son chef et lui dit « Je peux devenir un vrai moine aussi, j'ai le niveau. » Alors le moine, il lui dit « Très bien, prends ton arc et tire dans cette cible. » Alors le jeune moine, il prend son arc, il prend trois flèches avec lui dans son carquois, il se concentre le plus qu'il peut de toutes ses forces, il vise vers la cible, il ferme les yeux, il tire sa première flèche et il arrive en plein centre de la cible. Il ouvre les yeux, il voit la flèche en plein centre de la cible, il est trop fier de lui et tout. Et le moine, il le regarde, il lui dit « Désolé, mais t'es pas prêt à devenir un moine encore. » Alors l'apprenti, il comprend pas trop l'élève et il demande à son maître « Pourquoi ?» Et le maître, il lui dit « T'avais pris trois flèches. Ça veut dire que la défaite, elle est encore dans ton esprit. Tu seras un vrai moine zen, un vrai archer, quand la défaite ne sera plus dans ton esprit. » Voilà, c'est juste une petite histoire zen pour vous faire réfléchir sur l'idée de défaite et sur la détermination quand on a des objectifs. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Pensez à vous abonner, à activer la cloche, etc. si vous aimez ce que je fais. Peace.